Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Body Limits avec moi bien sûr. La légende Charles Clermont, Abd Abdeslam, mon frère du Maroc. On va faire une routine pour les dorsaux. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, ça c'est mon téléphone bien sûr. Mais on va continuer, ça s'est arrêté. Charlie, you're going to do some back, my brother. In front of you, of course, a lot of people that loves you from the old days. So, what kind of exercise are we going to do today? All right. So, as we've done, I think, in previous filming, we've started on the chins. Right. Then we go on to maybe some deadlifts. Not heavy. Not heavy. We'll make it easy. And then, yeah, it's an easy day today. Okay. And just one or two other things without, I mean, as it is, you got me on the run here, so okay, let's just go. I will think as we go on. We're going to be spontaneous, yeah. On va être spontané avec, yeah. On va commencer avec des, yeah. Des barres fixes, après des soulevés terre, et de là, on va développer, à vous montrer encore deux autres exercices. Let's go. Clermont and Abs, bien sûr. Donc on va faire trois séries. On va juste vous montrer une série. Bien sûr, il faut bien s'échauffer et s'étirer un tout petit peu. Et it's so tired, everyone has his different of going, full abs. Yeah. I'm gonna do a close grip. Moi je vais faire une prise qui est un tout petit peu serrée. Ok? Contrôle. Charlie's next. Doing pull-ups with Charles Clermont is like a freaking honor, man. C'est un honneur pour moi de faire des barres fixes avec le, la légende Charles Clermont. Let's go, brother. Thumbs distance. Yeah. On the thing. Donc on va faire 3-4 séries à 12 répétitions et de là on va bouger directement au soulevé terre. Abdeslam, let's go. Abdeslam is on the phone instead of training. Look at this shit, man. Lenny wants to. Regarde, Lenny, qu'est-ce qu'il veut? What do you want, Lenny? Tu rassures-lui, rassure-lui. Where are you, man? See, perfect. Perfect. Oh, easy, yeah, it's easy. Perfect. Drum roll. Let's do this. Yes. Donc on revient. Donc on a fait 4 séries, 10 à 12 répétitions avec la barre fixe. Maintenant, we're gonna move. On va bouger au prochain exercice. So Charlie, what's the next exercise? Deadlifts. So how do you do deadlifts? Soulevé terre, les groupies. Soulevé terre. On va faire du soulevé terre. So how do you do that? Show me how you do that. Right, okay. It's important with deadlifts to obviously engage the legs in the movement, keep the back flat, engage the abdominals as well, right, which will help protect the lower back. Okay, so go position. Ahead. Ce qu'il a dit, très très important, d'engager votre gainage, bien sûr, les jambes bien stables et faire l'exercice, ok? Et gardez votre dos très droit. Go, Charlie, go. None of this, right? Always have everything working in line. Okay, tout avoir le corps, tout droit, la pointe des pieds en ligne avec les genoux et bien se placer. Il ne faut pas avoir les... la pointe du pied vers l'extérieur. Let's go. You bend. Grip. Okay, keep engage your abdominals and lift and drive. Okay, so you're driving. When you get to about there, drive the hips forward. Okay. And back down.
You can do like a two, just give us a 2-3 reps, Charlie. 2-3 reps coming up. Regardez comment il va la, comment il va faire l'exercice. Il va faire 2 à 3 répétitions. Actually, do a set of 10 reps, nice and easy, that way I can see it. Yeah, I can do mine and go from there. Yeah. Regardez comment il engage son dos, comme je vous ai montré. Yeah. What's the legend? Le contrôle, super contrôle des talents. Ah ça va, right? Yeah, that's cool, let's go. Good. I'll just see that a bit. Make it easier. Yeah, he's gonna make it look easy and perfect now. Yeah. Parfait. Et you know, il y a des personnes qui posent la barre sur le sol, d'autres qui continuent. Et ça, c'est un choix personnel. Bien sûr, si vous voulez garder la tension sur le dos, vous pouvez ne pas la déposer sur le sol. Là. Voilà. Et je, and I think the best way to learn it is to just put it on the floor and restart again to get that angle of work. Yeah. Et la meilleure façon d'apprendre, bien sûr, est de garder le poids, le déposer et de remonter. That's it. There you go. Good. So next exercise. Right. So we've done chins, head. Right, let's work. What should we do? Cable rows, one-arm rows. One-arm dumbbell rows. Yes, dumbbell rows. Cool stuff. Okay, one-arm dumbbell rows. Rowing avec halter. What I try and avoid is rolling the body. Okay. So when you, I see a common fault with it, in my view, is that people get it and the weight's too heavy. So what they do to compensate or to even get the rep is to pull, but also pull with the body. So you're doing this. In actual fact, what you want to be doing is keeping your torso, your body, shoulders parallel to the floor. And what you do is when you pull up from this point and here. Okay, so you're keeping that, so it's there. Okay, so you're literally working one side of your back and rear deltoid. So en français, ce qui voulait dire ne pas faire une rotation de l'épaule et se retourner, garder la tension sur le dorsal et vraiment, vraiment garder votre coude à vos côtés et engager votre grand dorsal. Lorsque vous commencez à faire des trucs comme ça, vous allez perdre la contraction dans le grand dorsal. Simple. So, là, le dos, bien plat. Et c'est pour ça que vous allez faire des trucs comme ça, c'est pas une chose à faire. And if I can add to it, Charlie. Yeah. And you can also do it, vous pouvez aussi le faire comme ça. Yeah. More stability. To have both feet on the floor. Pour plus de stabilité et de contrôle lorsque vous le faites avec les deux pieds. About as we can go heavier, you know. Yeah. Then you can see abs doing it. So you see he's working here, right? He's not rotating. Donc il n'a pas, il n'est pas en train de faire une rotation du dos très stable au niveau du bassin, forme parfaite. And you'll note where the dumbbell is coming. So when he picks it up, he's here, right? He's not here.
Ce qu'il voulait dire, c'est que you can go back on that position. Ce qui voulait dire garder le coude à vos côtés, vous avez l'angle de 90 degrés, donc il n'avance pas ici, ok? Gardez le coude en arrière. C'est ça, la meilleure façon de faire du rowing avec halter. Last exercise, Charlie. Right, so you're done, we need to stretch out. Stretch out. So, we can, so what do you want to do, guys? Do you want to go pull downs or do you want to go flat? The choice is yours. The boss. Okay. All right. Well, let's go on to the low row. Yes. Right? Okay, cool. Let's go. Low row. Now, this exercise, again, straight bar. You can use, you know, the V bar, which is this one, this grip, an arrow grip would be that. You can use it for other uses as well, but today what we're going to do is we're working the back, so I'll just get put it on. Donc, comme il a dit, vous pouvez utiliser plusieurs poignées, prise large, prise serrée, prise en supination, pronation. Aujourd'hui, c'est what kind of grip we're going to use? Right, we're going to go for shoulder width grip. Ok, prise, shoulder width, c'est-à-dire largeur des épaules. Overhand or underhand? We'll go underhand. Underhand, prise en supination. Okay, so just to target the lower lats. Yeah, and then be coming up around the upper. Because when we pull in, we'll pull in, which is going to involve the rear deltoid as well. Donc il va aller de supination, mais il va ramener les épaules pour vraiment cibler encore le deltoid postérieur. So let's go. Donc vous allez voir comment tu vas le faire. Donc tu vas le prendre du côté après en arrière. Ouais. Mais prends une prise large sur le côté. Comme ça ils vont voir tout. Right. Come on, watch and learn. Engage the abdominals to help support the lower back. Chest up. And pull with the elbows and forward. Keeping the chest forward at all times. So there. And remember to breathe. Continuez, il faut bien respirer, bien sûr. Expirez durant la contraction. C'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes en train de respirer proprement. Your back is straight. That's it. Votre dos est bien droit. Okay, so full extension, full contraction, and control back. So Charlie, so how many sets do you usually do that? Three, four? How many sets do you do for your back? It depends, I mean. From here, the good old days. The old days, well, I would start chins. Do this with deads. Low rows. Just alternate, just different exercises. Yeah, don't do the same thing over and over. So, you know, probably four different exercises. Donc, quatre exercices la plupart du temps. Four sets each, would you say? Il y a quatre séries de chaque exercice. Abs. My turn. Again, perfect start. There you go. You see the chest is always up through the movement. Parce qu'il est tout le temps haut, il tombe le bas du dos. Thank you, my brother. Thank you. The best. La légende, right. Charles Clermont, que vous avez déjà vu sur les Thank autres you. Vidéos. Abdeslam, Body Limits, Gym, à Londres. Si vous voulez vous entraîner à Londres, c'est une super gym. Je laisserai tous les détails au-dessous de la vidéo. Blue Gold.